Dans un voyage en absurdie que je fais lorsque je m'ennuie, j'ai imaginé sans complexe qu'un matin je changeais de sexe, que je vivais l'étrange drame d'être une femme. Depuis les années 80, les femmes sont des hommes à temps plein. Fini les revendications, ce qu'elles ont voulu maintenant elles l'ont. Ce sont toutes des femmes accomplies, sans vraiment besoin d'un mari. Femmes capitaines de société, elles ont d'autres chats à fouetter. De conseils d'administration, de longs dîners en réunion, passer en coup de vent chez le coiffeur, se maquiller dans l'ascenseur. Elles rentrent épuisées tous les soirs, la télé elles veulent plus la voir. À peine la coupe d'un magazine et un cachet qui les a. N'y pense plus, juste un amant qu'elle ne revoit plus. D'ailleurs c'est un acte manqué quand leur portable se met à vibrer. Pour la nostalgie d'autrefois, faudrait du temps, elles n'en ont pas. Elles y reviendront évidemment avec le premier cheveu blanc. 30 années se sont écoulées, ont-elles perdu ce qu'elles ont gagné? Elles étaient femmes en 80 et femmes jusqu'au bout des seins. Question salaire, ça ne va pas mieux, celui d'un homme coupé en deux. On les enfume de parité, mais qui promet l'égalité? Je sais que beaucoup en ont marre, mais il n'est pas encore trop tard. Il suffit de retrouver l'adresse du type gâché dans leur jeunesse. Un homme gentil qu'elles ont laissé au bord des occasions manquées. Refaire sa vie et pourquoi pas être une femme et belle à la fois. L'amour d'automne c'est encore mieux, laisser un homme faire ce qu'il veut. Et puis s'endormir contre lui, jeter les dossiers aux orties. Se dire qu'au fond ce sont des femmes, et mon Dieu ce n'est pas un drame. Femme de n'importe quelle année, femme pour aimer se faire aimer.